Bon, le confinement, évidemment, ça pose ses problèmes de cohabitation. Allez, deux mots de trop, et puis me voilà dehors. Alors, du coup, j'ai sorti le grand jeu pour la reconquérir. C'est un château Gillette, Sauternes, 1990. 1990, c'est le millésime de notre première fille. C'est un grand millésime, et château Gillette, c'est un vin incroyable. On appelait ça l'antiquaire du Sauternes. Ce sont des vins qui restent en cuve pendant plusieurs décennies. Et la famille Medville, autrefois le papa de Julie Medville, qui s'occupe aujourd'hui de la propriété, a laissé dans des cuves pendant 20-30 ans. Et donc ce 90, il est sorti il y a quelques années, après 25 ans de vieillissement prolongé. Et c'est une merveille totale. C'est une merveille totale. C'est une merveille de fraîcheur. Vous savez, on dit toujours que le Sauternes, c'est très riche et opulent. Mais ce qui compte dans un grand Sauternes, outre la liqueur, outre l'onctuosité, c'est cette fraîcheur, ce fait qu'on ait envie de boire le vin. Alors, Gillette, c'est un Sauternes de Prégnac, c'est-à-dire, c'est à côté de Barsac. C'est un vin moins riche que les grands Sauternes typiques. Un vin qui a 30 ans, qui est dans une forme extraordinaire, qui est d'une fluidité, d'une élégance, d'une brillance fantastique. Bon, là, forcément, je vais la retrouver. Allez, chérie, rentre. D'accord.